Allez, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans Horizon France, nouvelle version, c'est la version 8. Et voilà, on va vous présenter un petit peu les évolutions. On arrive dans ce coin-là, c'est une sorte de téléportateur, donc ça arrive, voilà, c'est un petit peu le côté futuriste que Dafka voulait donner à ce moment-là. On avait fait une vidéo tous les deux, on a pris une petite demi-heure pour vous présenter le monde entier, et on s'est rendu compte que la vidéo n'a pas de son. Donc, je refais cette petite vidéo et je vais vous présenter tout ça. Donc, nous arrivons ici dans ce téléportateur, vu que nous arrivons en téléportation. Vous retrouvez directement les différents super pouvoirs tout de suite à portée de main. Le petit panneau d'entrée. Alors, je vais revenir sur cette partie-là tout à l'heure parce que c'est un monde, oui. Alors, c'est-à-dire que beaucoup nous ont peut-être eu du mal à faire le passage du Hill Valley qui était la version 7 à celui-ci, c'est-à-dire que beaucoup s'attendaient à voir une tour Eiffel, une boulangerie, etc. Il faut bien penser qu'on ne représente pas la France, on représente la communauté francophone dans le métaverse. Et voilà, on a pensé ce monde pour pouvoir justement mettre la communauté au maximum en avant et d'avoir tout ce qu'il y a besoin pour que quelqu'un qui découvre le métaverse français, eh ben, il est tout ce qu'il ait besoin à portée de main. Donc, on retrouve une petite partie accueil ici. On retrouve le métro que vous connaissez déjà. Donc, les petites informations, le groupe Facebook Horizon France. On a régulièrement maintenant des soirées ciné dans Beescrim organisées par Nat, Darat, Patrick et la troupe. Donc, c'est à voir avec eux sur le groupe Horizon France. Le métro, je ne le présente plus. Ici, vous avez un petit espace accueil qu'on a voulu, ben, quand il n'y a personne dans le Bienvenue à Horizon France. voilà, ce Retrouvez petit ta robot. communauté tous les jours Écoutez, à 14h, à 18h et à 21h. Le rendez-vous voilà, de je vais pas vous faire tout soccer le basket le discours, plus mais fréquenté. Ce monde il s'ouvre permet à d'accueillir les gens quand il n'y a personne dans le monde. Il explique un petit peu, ben, ce que je suis en train de faire en un petit peu moins détaillé, mais on retrouve le portail vers la Vodka Tower. On retrouve aussi ce petit panneau, je vous explique. C'est-à-dire qu'on commence à être de plus en plus nombreux. Vous voyez que sur le groupe, on a plus de 700 personnes maintenant. Et que des fois, il y a des sessions qui se créent alors que le monde n'est pas plein. On peut arriver jusqu'à 32 maintenant. Mais si vous voyez par exemple que vous êtes tout seul dans le monde, et qu'il n'y a que vous sur le panneau, et qu'il y a marqué 3, 4, 5 personnes, ça veut dire qu'il y a deux sessions. Et bien c'est pour ça que vous cliquez juste ici. Il y a un petit panneau qui explique ça. Il y a des sessions qui se créent, donc voilà, faut penser que il peut y avoir plusieurs sessions en cours. Donc, on va continuer à faire notre petit tour. Le cinéma, donc, on retrouve l'horloge de MV. Donc, les différentes séances de cinéma sont affichées ici quand on les connaît. Donc, on met ça à jour régulièrement. Vous retrouvez ici la salle d'arcade. Ça n'a pas vraiment changé. Voilà, je pense que vous avez les éléments qui étaient déjà là-bas. On retrouve là-bas les objets cachés et les différents leaderboards. Le soleil qui est toujours là, le soleil de MV qui est toujours là. On retrouve le petit côté nature qui a beaucoup manqué à certains avec le petit côté coin du feu. Le chien, il est toujours là aussi. Donc vous avez une petite rivière ici tranquille, reposante, avec des petits poissons. Vous pouvez aller dans la barque, ça va vous isoler un petit peu du reste du monde. Voilà, ça permet d'avoir différents points de discussion. C'est vrai que maintenant le soir, on a eu des soirs, on a eu plus de 50 personnes à passer entre 18 et 19 heures. Donc bon, il y a des soirées avec plus de monde et des soirées avec moins de monde. On retrouve là-bas le petit coin du feu, comme vous le connaissez, comme vous l'avez connu du temps du camping. On retrouve ici l'entrepôt. Bon, l'entrepôt, il y a des petits trucs cachés, je vous laisserai découvrir. L'entrepôt qui est donc la discothèque à Dafka. Et donc maintenant, le gros morceau, c'est-à-dire que c'est pas proposer un monde, tout le monde fait des mondes. Ici, ce qu'on va proposer, c'est un concept. C'est-à-dire que c'est un monde communautaire, comme je l'ai dit. Et ce qui est mis. Bon, certains n'aiment pas l'aspect zone commerciale avec galerie marchande, mais vous avez donc 19 box d'entrée de galerie marchande. Ces 19 box peuvent être gérées indépendamment par des membres de la communauté, seuls ou à plusieurs. Et on va aller voir ça de ce pas. On retrouve ici donc le monde radio que vous connaissez déjà, vu qu'on fait des petits radio podcasts les lundis, même s'il n'y a pas eu ce lundi, je ne pouvais pas le faire, mais.
Si vous êtes intéressé aussi à faire des radios podcasts ou autres, et ben n'hésitez pas. Voilà, ce monde est là à disposition, fait par DJ Coachy Style. Et voilà, c'est aussi, c'est pas le monde, c'est juste un trailer, une mise en bouche pour vous inviter à aller visiter ce petit monde. Alors, à côté, c'est un box qui a été juste fait rapidement aujourd'hui même, c'est-à-dire que ici c'était vide, donc on s'est dit pourquoi pas mettre les box de la semaine, parce qu'on est censé aussi représenter les membres de la communauté dans toute leur création. Donc voilà, on pourra mettre différents mondes qui vont changer toutes les semaines. Voilà, en ce moment vous avez 4 mondes qui sont ici, donc vous avez également notre équipe de Population One. Tous les soirs, vous venez ici à 19h, vous pouvez rejoindre l'escouade Ronan. On retrouve toujours le magasin, il est un tout petit peu différent, mais il y a toujours différents petits déguisements droite à gauche, il y a des nouveautés comme le Calimero, vous avez le casque de XR, pour ceux qui ont la référence. Vous avez également le petit Darak, la marionnette inspirée de notre ami Darak, qui est là. Il y a deux marionnettes, hein. Ça permet de faire des petites choses amusantes. Je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos sur le sujet, ça marche très très bien. La marionnette, elle a plus d'un, et ils ont fait énormément de vidéos avec. On va continuer à faire le tour. Ici, vous avez l'office de tourisme qui est géré en partie par Bangmaster. Et moi, je gère la partie des panneaux qui sont là. Donc voilà, on gère ce box tous les deux. Et on retrouve toutes les informations. Pour l'instant, on va remettre très prochainement des programmations. Donc tout ce qui est, s'il y a des talk shows programmés, des blind tests, des soirées et autres, c'est affiché. Vous voyez que là, ce dimanche et dimanche prochain, il y aura donc le carnaval qui est prévu. Et tous les dimanches, il y aura aussi une petite animation. Vous retrouvez l'aéroport de Bagmaster qui est ici. Donc avec toutes les informations autour des événements. Ça me fait penser que j'ai oublié d'enlever la porte qui est juste derrière ici, qui ne sert plus à rien. En parlant de Bagmaster, vous retrouvez également son restaurant qui gère indépendamment. Donc il peut rajouter des éléments, etc. C'est lui qui gère. Vous avez son petit portail qui est là-bas. Je ne rappelle pas le principe, je crois que j'en ai déjà parlé. Si vous voulez découvrir, je vous invite vraiment à visiter son monde. On continue le petit tour. C'est pareil, ce monde a été mis à jour aujourd'hui. Donc ce sont Escargot et Sam qui ont repackagé le petit monde de gym, on va dire, hein, le monde de sport. Voilà, on retrouve des portails. Alors, j'ai pas beaucoup de portails francophones sur le sport. On a la pétanque ici et on a Monkey Ball que j'avais fait. Donc, si vous avez d'autres idées de monde sur le sport, n'hésitez pas. Et ici, vous avez des Punching Ball pour vous défouler. Voilà. Et le petit robot Koza qui passe là, qui essaie de faire son curieux. On continue, oui, donc chose très importante, dans ce petit box, vous allez avoir aussi des séances de yoga et de pilates qui vont être proposées. On a déjà fait l'expérience cette semaine, ça marche super bien en fait. Donc, groupe Horizon France, et puis n'hésitez pas à demander aussi quand vous venez là à 18h. Ah, ici, nous avons notre team avec Joy, Raiduke, Neptune, et qui est le dernier, je ne sais plus, Nico, voilà. Qui nous ont fait un super box inspiré de leur monde sur la pop culture. Donc je vous invite à les visiter, il y en a 3 maintenant. Donc franchement super boulot de leur part. Et voilà, on peut être seul à faire ou à plusieurs à faire des box. Donc voilà, je pense que c'est une preuve bien parlante. Ici on retrouve la pharmacie, hein, vous la connaissez déjà, avec le portail de Super Timalou et de Cyril, donc deux mondes autour de la santé. Regardez l'autre qui nous essaye de nous... petit rappel vite fait, un super petit Malou, monde incroyable. Hier, on sent un petit peu tout ce qui se passe autour de la santé. Je vous rappelle qu'il essaye d'organiser une sorte de speed dating entre des gens qui ont des maladies relativement rares, avec des professionnels de santé qui sont parfois très éloignés. Donc, via la VR, il essaye d'organiser des panels de choses. La éradication, la dépression, le stress, tout ça, c'est à voir avec Super Team Malou. Je pense qu'il sera sûrement mieux placé pour vous parler de ça. Ici, on va retrouver le monde de Zeeware qui nous a bien aidé pour ce monde-ci. Le repackager un petit peu la version 8 d'Horizon France. Et on retrouve ses différents portails. Et c'est pareil, il nous a fait des petites choses qui ont un petit peu d'animation. C'est-à-dire que vous pouvez placer ce petit bonhomme nu un peu partout. Et
il va aller en lévitation. Voilà, donc vous retrouvez ces différents mondes. Je crois que j'avais déjà parlé de certains de ces mondes, donc ce sera l'occasion pour vous de les visiter. Et c'est pas fini parce qu'il y a un étage. Donc on va aller visiter l'étage, on va recommencer de ce côté-là. On retrouve le monde de, les mondes de Tafka avec le système solaire. Voilà, on va sûrement faire évoluer ce box aussi, je pense. Ces différents portails. Système solaire, je vous invite à le visiter. Hein, c'est un monde vraiment ludo-éducatif pour apprendre pas mal de choses au niveau des planètes. Si vous avez jamais testé, c'est l'occasion. Donc, il y a toujours des box qui sont vides pour l'instant. C'est marqué à louer parce que certains ont essayé de nous louer des box. Ils sont pas vraiment à louer. Voilà, on l'a vu comme une galerie marchande. Donc, quand c'est vide, il a marqué à louer. On a eu des propositions de location, mais non, c'est un monde communautaire, c'est pour la communauté. Et je pense qu'il y a des gens de la communauté qui prendront place ici un jour ou l'autre. Et c'est pareil, ce box-là, je pense qu'il sera remplacé tôt ou tard. C'était histoire de ne pas avoir trop de place vide non plus. Et on peut avoir quelques petites interactions musicales. Bon, c'était pour animer un petit peu le monde. Voilà, on a deux box qui sont vides. Alors ici, c'est pareil, je vais être obligé d'expliquer, hein, parce que bon, les gens pensent à tout et n'importe quoi. GamerGN, à chaque vidéo qu'il nous fait, si vous cliquez sur détails, vous verrez qu'il y a un petit lien vers Horizon France. Donc c'est parfaitement normal qu'on ait un juste retour de notre part. C'est un échange de bons procédés. Il parle de nous, on parle de lui. Voilà. QGO, c'est pareil. QGO va nous mettre des codes à disposition quand on fera des blind tests ou choses comme ça. Comme ça, on aura des petites choses à faire gagner. Donc, c'est des échanges de bons procédés. Si vous avez également des choses à proposer pour qu'il échange de bons procédés, eh ben, écoutez, le groupe Facebook est là pour ça. Ici, on retrouve un petit monde bien connu. C'est pareil, ça, c'est un monde de... Voilà, vous pouvez tout casser dans ce monde-là. C'est là, on pète tout. Si vous voulez vous défouler après le boulot, et ben vous venez là tranquillement, ça va respawn automatiquement. Et voilà, c'était mon petit monde qui tournait autour de la démolition. Si vous aimez ça, et ben normalement ça va respawn tranquillement. Ici, on va retrouver le box des guides, c'est à savoir Jacques 3D, Christawak et MV. Il y a d'autres guides qui sont venus s'ajouter maintenant, mais qui ont déjà de box à eux aussi. Alors, là aussi, je vais être obligé de donner des explications, parce que j'ai eu multitude de demandes. Oui, moi aussi, j'ai une chaîne YouTube, j'aimerais bien avoir un box, etc. Alors écoutez, Jacques 3D, quand j'ai créé Horizon France, le premier jour où j'ai créé Horizon France, Jacques 3D était déjà à mes côtés. Il est à mes côtés depuis le début, depuis le tout premier jour. Et il a toujours été là tous les jours depuis. S'il y a bien quelqu'un qui connaît Horizon France comme sa poche, c'est bien lui. Et je trouvais que c'était un juste retour. Dès qu'on fait quelque chose, il est toujours prêt à aider. D'avoir lui aussi, il fait des vidéos tous les jours sur sa chaîne. Donc c'est normal qu'on mettait un petit message pour Jacques avec sa petite Insta 360, la caméra qui lui permet de filmer en 180 ou 360 et 3D. Christawak, vous avez. D'ailleurs, il y a du monde chez Christawak. Vous avez son petit portail, alors faites pas comme certains, c'est un monde où il faut chercher comment rentrer. Voilà, vous avez sa petite sonnette, si vous appuyez dessus, ça fait quelque chose aussi, ça je vous laisserai découvrir ça. On retrouve le monde de MV. MV a voulu sobre, j'ai fait sobre. Voilà, si vous aimez tester un jeu autour des avions, je vous invite à y aller, on a fait la petite animation comme ça. Allez, on continue la visite. Visite de l'histoire d'Horizon France maintenant. On va retrouver tous les mondes d'Horizon France, c'est-à-dire le tout premier monde, là où Horizon France a été créé pour la première fois en novembre 2022. C'est ce monde-là. Vous pouvez aller le voir. Il est resté quasiment tel quel. Je crois qu'on a modifié quelques petites choses. On a mis la petite musique et quelques accessoires voilà. C'est un monde que j'ai gardé parce que c'est pour le souvenir en fait. Il était différent de celui-ci, il aurait pu penser que j'avais tout remis par-dessus parce que depuis on regarde celui-là pour les statistiques. Mais non, en fait, on avait gardé, on avait créé le deuxième monde à part dans un autre monde. On connaissait pas l'histoire de stats et autres. Donc voilà, il existe tel quel, tel que le monde a été créé avec ses statistiques, tout est là-bas.
Ça, c'est la version 2 et 3, la version camping que certains ont connue au tout début, qui a été republiée. Cette fois-ci, c'est un monde qui a été publié à part. Là, c'est pareil, j'ai republié les versions. Les versions 4 et 5 avaient été faites avec la collaboration de Votan à l'époque. Donc voilà, j'ai republié ça pour que ça puisse faire un petit côté souvenir. On a la version 7 que tout le monde connaît. Faudrait que je change la petite image. Tiens, ce serait sympathique d'avoir un autre visuel parce qu'on l'a gardé dans sa version hiver que vous avez connue au mois de décembre et janvier, là, donc, avec les bonhommes de neige, avec la neige et tout ça. Donc je l'ai renommé Horizon France Neige. Ça, c'était un peu logique, on va dire. Vous avez donc la version 6 qu'on avait renommée en Horizon France Plage, que beaucoup ont connu également. Vous avez les bureaux Horizon France qui étaient nés à partir d'un troll. Voilà, c'était une déconnade. Voilà, c'était on va prendre des rendez-vous, enfin machin. Mais qui sert et qui a une vraie utilité car il y a une salle de réunion en haut qui peut nous permettre de, éventuellement. On n'a jamais fait de réunion, mais bon, je crois que peut-être qu'un jour ça pourra servir. Sait-on jamais. C'est un monde amusant. On a été cette semaine encore, on a bien rigolé. Donc, par contre. Pas rentrer comme ça, il faut savoir comment rentrer, c'est pareil. Ici vous avez le monde junior, alors le monde junior va être entièrement remasterisé. Voilà, à l'époque il y avait Julio qui était là et on lui avait proposé de créer un monde junior avec notre aide, donc on va essayer de prendre les choses au mieux pour qu'il puisse faire le petit monde junior, mais voilà, faut qu'on remette les choses au bout du jour et puis on va avancer ça. Allez, on continue la visite. Alors ici, c'est un box qui va changer. Je pense qu'il ne va pas rester. Alors comme je l'expliquais tout à l'heure, quand certains ont vu la petite pub de Jacques, si on peut placer de la pub, ils ont tous voulu leur pub TikTok, Instagram, YouTube, machin, tout ce que tu veux. Mais je ne peux pas donner un box à tout le monde. Il y en a 19. Je crois qu'en deux jours, il y a eu 12 demandes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'avais eu l'idée de ce cube un petit peu à la façon Poneglyph, où chacun aurait été venir... coller un texte sur le cube tout autour et mais depuis que je l'ai mis ça intéresse personne donc c'était sûrement la fausse bonne idée, tant pis, donc on passe, ça sert à rien de s'attarder dessus. Ici c'est pareil, un nouveau box tout frais de ce matin, c'est donc créé par Escargot et Sam, où Sam va donner des cours de relaxation, de yoga et autres. Un monde un peu détente, etc. Vous retrouvez les différents portails autour des mondes un peu zen, un peu relaxation. Donc il faudra suivre un petit peu le groupe Facebook, venir ici se renseigner si ça vous intéresse. Et on l'a testé, hein, comme je disais tout à l'heure, on l'a testé, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Et ça préfigure un petit peu ce qu'on va pouvoir faire dans le métaverse plus tard. Donc voilà un petit peu ce box qui peut être assez sympathique pour plus d'une personne. Et on a fait le tour. Il me reste juste à montrer le dernier élément qu'on n'a pas visité. On va aller voir de ce pas. Rien d'incroyable, mais bon, on va terminer sur une petite note. On retrouve la musique d'Horizon France à l'entrée. Allez, on retourne dans le bar. Vous avez la petite musique. On retrouve la roue. Elle a eu quand même pas mal de succès, cette petite roue-là. Donc, je vous invite à la découvrir. Si vous êtes avec des collègues, etc., et que vous avez, je sais pas, vous tapez ici, paf. Et ça vous apprendra, ça vous permet de jouer et d'apprendre à se connaître en même temps. C'est-à-dire que vous avez des gages, vous avez des questions, voilà, que tu préfères le vin ou la bière. Ça peut être un gage aussi, hein, ça peut être une question très sommaire, comme ça peut être une question un peu plus... plus marrante, on va dire. Là, ça va être quoi? Ça va être... Allez. Sucré ou salé? Tu préfères quoi? Manger du sucré, manger du salé. Moi, je préfère le sucré. Voilà. Donc, on est arrivé au bout de ce petit tour de Horizon France version 8. Je suis en train de me réfléchir si j'ai rien oublié de vous présenter. Je pense que voilà, on a fait le tour. Vous avez le petit coin cocooning ici avec un petit jeu de fléchettes que Dafka a mis. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les jours, 14h, 18h, 21h, toujours à 18h, il y a toujours un maximum de gens. Et le groupe Facebook, si vous avez la moindre information, toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Faut pas hésiter.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve peut-être dans un prochain rendez-vous. Et puis moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est, mais allez, ciao tout le monde. Bye.